Espèce gigantesque, le Diplodocus était autrefois considéré comme l'animal le plus long ayant jamais vécu. Grâce à nos recherches, il est maintenant de retour. Mon rôle est de m'assurer d'en apprendre le plus possible sur ces dinosaures majestueux. Votre rôle est de faire en sorte qu'ils survivent à l'ère moderne. Herbivore cuirassé qui vivait en Australie, au Crétacé. Les plaques dorsales horizontales présentes le long de son dos permettent de le différencier des autres membres de sa famille. Son nom, Minmi paravertebra, fait référence à cette caractéristique. Avant de me lancer dans la paléoconservation, je connaissais déjà le stégosaure. Les plaques qui ornent son dos en font l'un des dinosaures les plus emblématiques. Nos visiteurs vont vouloir le voir, alors assurez-lui une place de choix. Triceratops, c'est l'un des dinosaures emblématiques qui définissent l'essence même de notre activité. Les gens veulent le voir, et nous voulons le faire découvrir au monde entier. Ne laissez pas cette apparence redoutable vous tromper. Ses cornes servent principalement à se défendre et à impressionner ses congénères. Herbivore, cet animal peut être une attraction vedette, ou un cauchemar pour la sécurité s'il décide de retourner sa vie.
Laissez-moi vous présenter le Metriacanthosaurus. Essayez de le dire trois fois de suite. Un autre prédateur alpha qui, bien moins grand que certains des alphas, attendait que ça se tenait debout. J'imagine qu'il a donc une bonne posture pour tirer un morceau. Espèce connue, datant d'environ 216 millions d'années. On l'appelle Colophysis. On peut trouver ses restes un peu partout dans le monde, mais si on souhaite en voir un de près, il n'y a qu'ici que ça se passe. Thank you.
effrayante comme ça. Mais cet animal, le Dimorphodon, possède deux types distincts de dents. Et il vole. Enfin, plus exactement, il plane.